Regardez-vous des clips encore aujourd'hui? Ouais, moi j'en regarde beaucoup. J'imagine que c'est pour le boulot aussi. J'ai pas trop le choix. Mais pas le boulot, est-ce que tu en regarderais malgré tout? Oui, probablement, parce que quand tu aimes la musique, tu regardes des clips, ça fait partie maintenant de la palette du Zikos, quoi. T'es obligé de regarder son identité, parce qu'on raconte une histoire dans un clip, c'est une partie aussi artistique liée à la chanson. Mais ouais, j'en regarde beaucoup, et j'en regarde beaucoup pour le plaisir, parce que j'en regarde beaucoup pour le travail, évidemment, le top 40, donc voilà. Mais je regarde aussi beaucoup pour le plaisir, et c'est souvent ceux-là, ceux qui sont un peu, pas forcément dans le top 40, qui sont un peu intéressants, où il y a un peu de la graine de réal qui arrive sur des sons un peu obscurs, un peu pas connus, et voilà. Bah aujourd'hui, je regarde toujours des clips, que ce soit pour le plaisir ou pour le travail, pour voir que font mes compétiteurs, à quoi s'en tenir. Mais aujourd'hui, je pense que je regarde encore, heureusement, pour le plaisir, surtout. Et si vous voulez regarder du clip, sur quelle chaîne vous en regardez? Vous allez sur quelle chaîne si vous voulez regarder du clip? C'est une très bonne question, parce que j'ai l'impression que la tendance, à force de traîner avec les jeunes et voir comment tout le monde se jette sur internet, genre. C'est YouTube, c'est le premier mot qui sort. T'as vu le dernier? Oui. C'est beau avant YouTube, même. Alors, ça rappelle le débat, mais vous, c'est encore un peu bizarre. Parce qu'il y a beaucoup d'exclusivité qui a réussi à avoir. En plus, j'ai l'impression que c'est pas très clair encore. Vevo, c'est tenu par 2-3 majors, qui sont Sony, Universal et je sais plus qui, mais en tout cas Warner n'est pas dedans, donc comme Warner a racheté une partie de Yamaha, c'est un peu compliqué, mais en tout cas c'est exclusif aux maisons de disques, qui fait qu'on n'a que des musiciens, on n'a pas de cover, on n'a pas de... Enfin, c'est que les clips officiels. Et YouTube, c'est un peu plus c'est le tube de tout le monde. On va répondre à la question du sujet de l'émission d'aujourd'hui. Est-ce que le clip a encore de la valeur pour la promo d'un artiste et pour un single? Je pense qu'il n'a jamais eu autant de valeur qu'aujourd'hui, les clips. Pourquoi? Tu prends un gamin qui avait 15 ans en 94, tu prends un gamin qui a 15 ans en 2014, le gamin qui a 15 ans aujourd'hui, il a vu, je sais pas, 100 ou 200 fois plus de vidéos que le gamin d'il y a 20 ans. Donc, forcément, et puis Internet, c'est la vidéo. Voilà, c'est l'image et la vidéo. Je pense pas que les gamins lisent beaucoup des pages sur Internet ou les dépêches. On est d'accord, c'est la vidéo. Voilà, c'est la vidéo. Et donc, il faut quand même alimenter tous ces tuyaux-là. Et les artistes, ils ont vraiment pas le choix. Il y a très peu d'artistes, je pense, qui font l'impasse. D'ailleurs, je ne connais pas beaucoup. Mais même ceux qui sont plus du tout dans des circuits qui pourraient plaire aux gens qui les regardent, comme la vieille Barriette ou Aznavour est obligé de faire un clip aujourd'hui. Alors qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux qui vont le jouer. Il y a forcément YouTube de fait, mais il est obligé d'avoir son support vidéo et musical. Quels sont les critères de validation d'un clip aujourd'hui? Mon critère principal, c'est le tube. Si c'est un tube, je passe. En gros, Donc vous n'êtes plus l'état de précurseur, en fait. Bah non, c'est plus notre rôle d'être forcément top. Évidemment qu'on a des coups de cœur. Par exemple, on a développé Chaka Conk il y a 2 ans. On développe quelques coups de cœur. Mais aujourd'hui, si je joue pas Rihanna, Maître Gims multiplié par Shin Sekai et Beyoncé, c'est problématique. Parce que les visages de menaces. Donc, finalement, c'est une rotation radio qui détermine les clips qui seront. Il y a aussi beaucoup de ça. En France, on a un univers radio qui est très très fort sur la musique et qui fait encore des tubes. C'est un des seuls peut-être au monde. C'est un marché assez important, dont Energy, Skyrock, Fun et Virgin, qui
qui sortent, qui lancent les titres, et nous, dès qu'il a un peu d'airplay radio, on peut jouer. Après, on peut jouer aussi des choses qui ne sont pas en radio, parce que c'est aussi notre expertise, mais voilà, on est là pour jouer des tubes, on est à une chaîne de pop, culture, on n'est pas là pour pour faire découvrir des idées. On peut faire découvrir, mais c'est 70 voire 80%, on est là pour accompagner l'étude. C'est totalement ça, c'est que moi je le vois de l'autre côté. Exactement. C'est exactement ça. C'est que maintenant, mes clients me disent tout le temps, oh, écoute, de toute façon, que tu me fasses un beau clip ou un mauvais clip, on s'en fout. Si la radio le joue, il va devenir un bon clip. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant. Okay. Et c'est qu'en plus, aujourd'hui, plus ça cartonne, et un clip pourri peut devenir un bon clip. Okay. Ah non, artistiquement, il est génial. Mm-hmm. Il a plus de 150 millions de vues. C'est devenu un argument aujourd'hui, le nombre de vues, et puis évidemment, le passage télé aussi. Mm-hmm. Et le clip s'est dégradé, tu es d'accord avec moi, par rapport à certains années, sur certains niveaux. Mais est-ce que c'est pas celui qui est derrière là qui a une erreur, le réalisateur, qui en est la cause? En fait, s'il fallait vraiment schématiser un peu le parcours budgétaire d'un clip, en fait, c'est passé de ça, en 90. Moi, j'ai connu des clips à 110 000 euros, jusqu'à 150 000 euros. De tu budget. En as réalisé? Oui, bien sûr. J'avais fait pour Asia, il était à 120 000 euros, je crois. Et le clip Poison d'Arsenic, qui était à 110 000 euros. C'était à l'époque où c'était les effets des appareils photo à la Matrix, où il fallait 70 appareils photo juste pour avoir le plan. Aujourd'hui, avec deux caméras, ça se fait. Avant, il fallait 70 appareils photo. Donc ça montre aussi l'évolution. Donc on est passé en moyenne de 100 000 euros par clip à 10 000 euros, donc 10 fois moins. Donc tous les chefs de poste ont sauté, les caméras ont changé. Et entre-temps, le phénomène Internet qui arrive, YouTube qui change encore plus la donne et qui a créé une espèce d'armada de nouveaux réalisateurs qui sont tous dits réalisateurs aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, avec un appareil photo, on filme soi-même et on peut faire de très bons vidéos, de très très bons clips. Donc, oui, pour répondre à ta question, effectivement, je pense qu'il y a des très mauvais réalisateurs qui sont derrière la caméra et qui savent pas vraiment ce qu'ils font. Mais la chance qu'ils ont eue, c'est que l'artiste qu'ils ont clippé, ça a cartonné. Du coup, eux, ils deviennent des bons réalisateurs parce qu'ils ont fait le dernier clip d'eux. Et t'en as d'autres qui font quand même, on va dire, des bons réalisateurs qui font quand même, entre guillemets, j'espère, des manques de peau, ce qui est plein n'a pas marché. Bon, du coup, lui, il est tout de suite mis de côté. Et sans les citer, d'après toi, il y a combien de bons réalisateurs en France? En fait, je pense qu'il faudrait déjà qu'on voit presque par catégorie musicale. C'est vrai que les clips, que ce soit du rock, électro, rap, c'est tellement différent. C'est vrai que moi, je reviens forcément au rap parce que j'en ai quand même beaucoup fait. Dans le rap, il y a beaucoup de... les codes sont très très durs. C'est très difficile de sortir d'un code. Faire un clip très drôle, original en rap, c'est très très difficile parce que au début, l'artiste est chaud. Mais dès que... Ah, mais t'es sûr, dès qu'il y a l'entourage qui arrive ou un manager qui arrive, ah non, mais qu'est-ce qu'il va penser, machin. Donc, du coup, eux-mêmes, ils commencent à s'auto-censurer. Et du coup, un truc qui aurait pu être vraiment original devient un truc un peu tiède. C'est ça que je trouve qu'aujourd'hui, en rap, par exemple, je trouve que de loin, le meilleur clip de Booba, ça reste encore Jimmy. Et je trouve que c'est le seul clip qu'il ne défend quasiment pas. Parce que trop conceptuel à son goût. Enfin, au goût des gens qui sont habitués à voir du Booba. Alors ce clip, pour moi, c'est peut-être un des rares chefs-d'œuvre clipesque du rap français. Tout est magnifique dans ce clip. L'idée, comment se réaliser, tout. D'accord. Et pourtant, j'ai pas l'impression que l'artiste l'ait défendu. Alors qu'il a été primé ce clip. Et il a gagné l'année dernière meilleur clip, toute catégorie confondue. Ça, le rap a toujours le problème de la ghettoisation, on met tout le temps dans une catégorie à part. Là, même pas, ils ont mis ce clip dans la même catégorie que Chaka, Onk, etc. Ils sont que des gros artistes dont les clips sont assez marqués. Et il a gagné. Là, on bascule un peu du français aux États-Unis. Il y a quand même une différence notoire, c'est aussi la matière. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, ils ont la culture de l'entertainment. Est-ce que toi, aujourd'hui, sur la majorité des clips que tu dois réaliser, est-ce que tu as suffisamment de matière vis-à-vis de l'artiste pour produire des clips de qualité? Dans le jeu, moi, j'ai pas assez de tournées avec les artistes américains. J'ai tourné à l'époque avec plusieurs des Wu-Tang Clan.
Mais c'est vrai qu'à la base, s'il fallait comparer les artistes, effectivement, je trouve qu'aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile d'avoir l'artiste charismatique. C'est-à-dire d'entrée de jeu, même si je fais un clip dans une salle blanche pourrie, une cuisine pourrie, le fait que lui soit charismatique, le clip fonctionne. Alors qu'en France, ça m'a déjà beaucoup arrivé, où l'artiste, dans la même salle blanche, la même cuisine pourrie, il rentre. Là, je dis, ah non, là, on est vraiment on a un gros souci. Là, il faut faire trembler les murs, il faut mettre des danseurs, il faut qu'il y ait du feu, parce que sinon, il ne se passera rien. Parlons du budget. Quel est le budget qu'il faut ? On a parlé tout à l'heure du budget qui s'est dégradé. Et qu'est-ce qu'il faut ? Quel est le budget qu'il faut pour réaliser un clip correct ? En fait, là, c'est pas une question piège, mais c'est difficile, parce que, par exemple, comment on dit Maya, Mia, parce qu'à chaque fois, c'est... Première version. Ce clip que j'adore, ouais. 200 000 euros. Waouh! Ah, de Galois, ça? Ouais. Kanye West, Jay-Z, combien? Dans le pareil, ouais, c'est pas. Donc, moi, qu'est-ce que je vais arriver, moi, derrière, avec un clip à 15 000 euros? Oui, mais c'est pas comparable. Non, mais quelle est la ambition? En moyenne, c'est quoi le prix d'un clip? Parce que moi, j'ai pas ces infos-là, forcément. On va savoir. quel est, par exemple, sur le top 40 d'MTV? En moyenne, c'est-à-dire que tu as Rihanna, Gims, que je multiplie Tal, que tu multiplies, je sais pas, le petit groupe pop rock français qui débute, la petite variété de Christophe Maé, Quel est le tarot moyen? Est-ce qu'on est près des 10 000, des 15 000, des 20 000? Non, je dirais que par exemple, si on prend Christophe Maé, Tal, Gims, on a des gens qui vendent, qui buzzent et qui en plus sont bien exposés. Je pense qu'un moyen est plus dans les 30 000 euros. Ouais, je ne pense pas que dans cette tête d'affiche il y a eu un clip à 10 000 euros. Je pense me planter. Bah, quand j'ai fait le Youssoupha Indila, qui était un gros tube en 2012, Dreaming, ça avoisinait plus dans les 20 000. D'accord. Mais après, dès qu'on passe à du Rihanna. Mais attention, il faut savoir que même aux États-Unis, il y a quand même des. Moi, j'ai fait une compétition pour NAS où c'était 50 000 dollars. Donc ça fait 35 000 euros à peu près. Donc une star, c'est plutôt, on va dire en gros, fourchette haute, 50 000 euros. Ouais. Et un débutant, c'est plutôt 15 000. D'accord. Voilà, d'accord. Et c'est peut-être rare moins. Oui, bien sûr. Après, tu peux avoir un clip à 1 000 euros. Autoproduit, auto. Ah, mais surtout, il y a des clips à ce prix-là. Là, je peux balancer qui, mais celui qui a pris mon clip par derrière, c'était ça, c'était dans les 1500 euros. Et toi, ton minimum? Le clip, le budget en dessous duquel tu descends pas? Non, en fait, maintenant je prends le problème à l'envers. C'est ce qui va dans ma poche, ça n'ira pas en dessous de ça. Okay. Après, vous rajoutez, s'il vous faut un décor, des danseurs, des gars qui exposent, c'est ce qui fait. T'as pas peur de griller ton nom, en fait, à travailler comme ça? Non, parce que j'ai la chance encore de travailler avec des bons artistes. Je pense que si non seulement je vendais mon âme au diable et qu'en plus je faisais des mauvais artistes, là effectivement c'est une fin de carrière. Mais est-ce que aussi la course aux vues a changé la mise en place d'un scénario, de la créativité d'un clip, ce genre de choses? Ça effectivement c'est une très très bonne question, parce que la course à la vue aurait pu nous permettre à faire des clips de plus en plus bizarres, de plus en plus choquants, pour avoir plus de vues. Et bien bizarrement non, parce qu'en fait les clips, je vais pas dire les plus pourris, mais les plus fades, qui passent mal. En fait, dès qu'un clip passe en télé, le nombre de vues explose, c'est radical. Si je prends un exemple concret, Youssoupha, avant qu'ils soient entrés en télé, on avait peut-être 1 million de vues, 2 millions de vues. En télé et en radio. Paf, on rentre en télé et en radio, bim bim, on passe à 10 millions, 15 millions, 17 millions. C'est vraiment l'écoute. Donc c'est radical, c'est vraiment... le rapport télé-radio explose le nombre de vues. D'accord. Toi, Raphaël, qui regarde de nombreux clips toute la journée, enfin, je sais pas si c'est comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir et tu dis ça me manque, et toi, est-ce qu'il y a des choses que tu as toujours voulu faire et que tu n'as pas pu faire, finalement, peut-être que c'est dans des cartons finalement? Moi, j'aimerais beaucoup que le hip-hop change d'esthétisme. Change d'esthétisme. Ouais, parce que là, on tourne en rond depuis un moment. On en parlait. Français et américain. Français et américain. Oui, les deux. Enfin, un clip. Là, moi, je suis un grand fan de Drake en ce moment. Ouais.
il a fait Hold On, qui est le titre de 2013 par excellence, mais qui a été qui a mis tout le monde d'accord, c'est-à-dire que Pitchfork l'a mis numéro 1, que, tu vois, les branchés comme tout le monde. Et le mec fait avec le titre le meilleur titre de 2013, il fait le clip le plus pourri de 2013. C'est quand même c'est quand même un truc, un espèce de scénario que mon fils de 3 ans aurait pu faire. Allez, on va les tuer parce qu'il a enlevé mais voilà, enfin ils sont toujours dans un truc de hein. En général, les types de Drake sont pas. Ouais, enfin voilà. Oui, il est bon, il est très bon. Il y en a eu des très bons, notamment avec Johan Lemoine dans Noir et Blanc. Avec Rihanna. Ouais, avec Rihanna qui était esthétique. Mais voilà, enfin l'exemple type. Ouais. Bon après le rap français, voilà, c'est aussi pareil. On est toujours entre Booba, Rof, La Fouine, on est dans la même esthétique. Alors qu'il pourrait. C'est les médias qui demandent ça aussi. Oui, je pense c'est une responsabilité un peu collective, mais quand même, au bout d'un moment, l'artiste il devrait un peu installer, il devrait de temps en temps, tiens, je me suis fait un clip, j'ai fait ce clip pour me faire plaisir, voilà, pourquoi Jay-Z arrive, Justin Timberlake arrive et Kanye West arrive, Beyoncé peut y arriver à sa façon, peut faire des trucs, quoi. Après c'est vrai que c'est des grandes stars, je te l'accorde, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de... Mais moi je trouve que là, ça boucle un peu du côté du hip-hop, US Inter, je pense que du côté des rockers, il y a beaucoup plus d'initiatives, enfin des rockers de la pop, la pop rock, et de l'électro par exemple, où il y a des clips déments, parce qu'eux ils sont vachement dans l'image, ils sont moins dans l'électro, il n'y a pas d'artiste visuel, tu vois, donc ils sont obligés de se prendre la tête, et il y a des belles choses. Pourtant, c'est très difficile pour les clippers de passer à autre chose. L'exemple d'Aquilian qui a voulu basculer dans le cinéma. Pour le problème, c'était un cas vraiment particulier, c'est que son film, je suis un vrai défenseur d'Aquilian, mais son film est tellement mauvais. Du coup, la difficulté, parce que. Tu peux être très bon en clip, mais très mauvais en film. Voilà. Alors que Michel Gondry, il est aussi bon en clip qu'en film. Ouais. Spike Jones dans les deux. Gavras, j'ai pas vu son film, donc je peux pas me prononcer. J'ai pas vu non plus, mais apparemment, En tout cas, ça n'a pas marché. C'était un flop. Mais bien sûr, après, c'est un autre débat. Est-ce qu'un film qui marche pas, est-ce qu'il est mauvais? Oui, et puis le clip, évidemment, il y a ces 3 minutes. C'est un scénario un peu plus court. Et c'est beaucoup dans l'esthétisme. C'est souvent l'esthétisme. Et l'idée, le hook, comme ils appellent ça, les Américains, qui fait le truc, alors qu'un film. Bon, c'est pas parce qu'on fait un beau clip qu'on va devenir prochain Kubrick, quoi. Mais disons que ça fait aussi partie un peu, aujourd'hui, c'est un aspect d'une certaine école qui fait du clip, de la pub, du film, et de plus en plus.